scientifique, elle est ouverte cette injection supplémentaire aux plus de 50. Préserver l'environnement, la COP26, elle se déroule en ce moment à Glasgow. Elle devait s'achever hier, mais elle s'est prolongée en attendant, sûrement, Mathieu Boisseau, qu'un texte qui satisfasse tout le monde soit publié à nous. Chaque mot est pesé et les intérêts divergent. Alors la France sera-t-elle oui ou non au rendez-vous de l'histoire? Ça ne fait aucun doute selon l'ancienne secrétaire d'État à l'écologie. Brune Poirson était notre invitée ce matin. Je pense que la événement, accord sur le climat entre les États-Unis et la Chine, peut-être d'autres accords ou au moins des apaisements puisque Joe Biden et Xi Jinping vont se rencontrer virtuellement, ce sera une première. On décrypte tout cela depuis la rédaction de France 24 avec vous, Hassan Basile. Il ne manquait, Hassan, que la date, elle est désormais confirmée, ce sera lundi. Oui, effectivement, après-demain, les dirigeants des deux puissances mondiales se sont déjà téléphonés depuis la session de Joe Biden à la Maison-Blanche et ce sommet virtuel de lundi est une occasion unique pour les deux superpuissances.